Salut, j'ouvre ce vlog. On est en partance pour les Sables d'Olonne. On passe 2 nuits là-bas. Oui. Merci bébé. On a organisé un petit peu une rencontre. C'est-à-dire que ma famille qui vit à Saint-Martin, donc mon papa, Sylviane, et les parents d'Eric ne se sont encore jamais rencontrés. C'était l'occasion. Et donc Eric est en train de mettre de l'essence. On est arrivé au Sable. Il y a quand même un bon moment de ça. Je vous ai parcouru parce qu'il y a eu les retrouvailles, on a mangé dans un resto ce midi et là on est allé un petit peu chez les parents d'Eric, on en sort, il doit être pas loin de 17h, on n'a même pas encore été à l'hôtel en fait, là on va y aller, vous entendez les mouettes? Mais voilà posé, et Eric qui va me rejoindre. Le Telibi, je trouve qu'il est vraiment très agréable, la chambre est plutôt spacieuse hein, et surtout la literie. Mais ça fait bien aussi de se reposer un peu, on avait un petit coup de barre. On va y aller bébé, après. Bah, faut attendre ton plan. Ouais. Ouais, je suis vraiment restée en basket, parce que j'ai pris mes compensés, mais là, quand tu marches comme ça, c'est quand même mieux. Bah, c'est d'ailleurs, faut que je m'achète des baskets, bébé en a dit, pour la marche. Ça sera peut-être en rentrant à Décathlon. Je peux parler? Oui. C'est déjà prévu. Ah, bah, c'est déjà prévu, ok. Et ça commence, Eric me demande d'aller chercher un truc à boire. C'est la 201. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, j'ai appuyé sur le toit. Livraison. Ah, cool. Ah, t'aurais dû voir. On est dans la chambre à côté là. Et là, c'est la nôtre. Il m'a suivi et il y a plus. La clé, elle est dedans. Bah, je sais pas. Mais faut que t'ailles les demander. Ah, bah, bien sûr. Non, mais moi, j'ose pas déjà avec l'autre. Non, tu vas vlogger, c'est hyper amusant de vlogger. Allez. Mais là, t'as essayé au moins? Vous allez vous moquer de moi. Nous étions dans la chambre de mes parents juste à côté et. Dans le petit pâtier. C'est abusé. Bah oui. C'est arrivé. C'est vrai, pareil. Ah, ça va. Et nous voilà. C'est fou, hein, il est 7h, 7h20 à peu près et le soleil est encore bien haut. C'est très très clair. Alors là, si on n'est pas en sécurité, il y a une jolie architecture. Hein. C'est une pina colada. Alors il faut savoir qu'Eric, quand il vient au Sable, donc déjà on va au Pierrot, une belle brasserie que je vous montrerai tout à l'heure, et il en rêve toute l'année, c'est sa pina colada. Je te montre, Caroline. Ah, regarde, c'est prêt. Alors il y a une petite sauce en accompagnement. Hein. Mange la tête. Non, non. Merci. Oui. Regardez, c'est un veggie bowl. Que des légumes. Allez, c'est le moment de la petite balade après, ça, c'est la digestion. De vue, là. On est complètement cassé, c'est très très beau, j'adore ici. Quand il commence à faire un peu de nuit. Ce qui est appréciable, c'est que les boutiques sont ouvertes, quoi. Il est 22h. On va à la boutique, forcément, on vend des globes. Ah, je vous montrerai en rentrant à l'hôtel, ils m'ont ramené des petits cadeaux. Elle est pas trop mignonne cette robe. Et le pull aussi, j'aime beaucoup. Mais la parka, elle est trop belle. Hein. Pourquoi tu ne laissais pas? Et c'est là. T'as essayé de prendre la lune là? Ouais, mais bon, c'est pas terrible. Ah bon? Non. Dans cette première journée, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Hein. Et il y a de fortes chances que je combine en fait. Un petit peu. Ça va être sur 3 jours, surtout demain, je pense que la journée elle sera un petit peu plus dense. Salut à tous, je vous retrouve le lendemain matin. C'est l'heure d'aller chercher le petit-déj. Normalement, tu peux déjeuner en bas, mais moi j'aime bien. C'est mon petit plaisir de ne pas me faire livrer, d'aller chercher. Je vous avais déjà montré, et puis bah de déjeuner dans la chambre. J'ai mis ma robe de chez Kiabi, longue, avec des baskets. Ce qui est drôle, c'est que j'ai mes parents qui déjeunent là, mais comme ils savent que mon petit kiff, c'est de déjeuner dans la chambre. On se retrouve après, on va aller, je pense, faire un peu les boutiques. Et là, je vais demander mon fameux plateau. Je vous montre. Donc ça a été vraiment, comme je vous dis, des viennoiseries. Apparemment, celle-ci, elle est très très bonne. T'as vu, ça te va ce que j'ai pris? Très bien. Par contre, il n'y a pas de jus. Je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai eus. Mais je suis attendue, donc
Je pense que je me ferai ça, peut-être cet après-midi, ce soir ou pire demain. J'aimerais tellement eu quelque chose qui va mettre bien aussi pour vlogger. Il était un petit chignon là derrière, je ne me rends pas compte. Bof. Bof. Ouais. Ah mais je vois rien. Ah oui. Je soutiens. C'est bon, c'est bon. Il y a pour une taille XS, je savais qu'elle est hyper large. Je suis un peu déçue quand même. Bon, ça va faire l'affaire. Soit je ne l'avais pas acheté cher, parce qu'en plus elle était soldée. J'adore. C'est très sympa ce petit déj. Ah, bonjour. Je suis dans une boutique, je me suis trouvé les petites barrettes, vous savez, qui sont très 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 à la mode. Là, les portants. C'est vraiment ce que je voulais pour chez moi. Faire un dressing comme ça en bois. J'adore. On est dans les halles où il y a vraiment tout ce qui est maraîcher, enfin, les fruits, légumes. Ça fait un de ces bruits. Regardez-moi ça, cette belle patate. Pêche plate. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une nouvelle. Ah oui, d'accord, c'est sur la forme. C'est très bon. Merci. Toi qui vis dans le pays des mangues, t'en penses quoi? La couleur? Elles sont belles. Elles sont belles? Mais ça, c'est des mangues greffées, hein. Ça, c'est pas des mangues. Ah. Des mangues sauvages, mais c'est bon. Hein. C'est bon. Quelqu'un veut du homard, hein? Ah, mais faux! C'est pas assez abrasif. Une affirmation pour vous, c'est ce qu'il faut que vous preniez. C'est vrai? J'ose pas. Ah, mais si, vous allez oser. On était dans une petite boutique de. C'est la collectionneuse, à chaque fois j'y vais. Ils ont des bijoux tout mimi, ça va, des prix assez corrects. Et on a trouvé notamment deux petites bagues, un bracelet. C'est ici. C'est vrai qu'à chaque fois. Je vous ai montré, je crois, juste avant. Qu'est-ce que c'est joli. Je trouve que les boutiques au sable, au niveau de la déco intérieure, ils font vraiment de beaux efforts en termes de création, d'agencement. Ça donne envie. Regardez-moi ça, j'adore ici. C'est la rue Travaux et t'arrives, bam, face à la mer. Je suis repassée vite fait à l'hôtel avant qu'on se rejoigne au resto dans 10 minutes, donc ça va être rapide. Regardez ce que je me suis trouvée, je l'avais repéré hier en passant devant, c'était fermé. Un collier qui est quand même assez court, je l'adore. C'est en acier, je crois que c'est une agate. Et c'est un soleil. Alors on est vraiment, vraiment, vraiment sur un restaurant de fruits de mer. Il y a des poissons, il y a des viandes aussi. Hein. C'est très sympa. Ouais, parce qu'il y a une étude, hein, c'est pas. Petite rillette de poisson. Est-ce qu'on est sur une jolie assiette? C'est mon river avec du cabillaud. Waouh, c'est quand même très très beau. Ah oui, il y a tout un mélange de poissons. Tout là dedans. Oh là là, c'est chouette. Voilà. Yeah. Tu peux me rappeler, bébé, ce que t'as pris? C'est une panna cotta caribéenne. Oh, elle est belle. Hein. Magnifique. Ah, c'est sympa ça aussi. Je crois que c'est de nougat glacé. On sort du resto où c'était d'ailleurs extrêmement bon. Et là, regardez ce bateau Coast Guard. Donc c'est des douaniers garde-côte philippins. Il y a tout un cérémonial. C'est impressionnant. Est-ce que vous avez vu la grosseur des sangles orange? Ça va être mis à l'eau. Bon, par contre, je fais gaffe. Hein. Si je m'approche un peu trop, c'est... Ils m'ont dit que c'était demain qu'ils allaient le mettre à l'eau, monsieur là. Demain, après-midi. C'est ce qu'il m'a dit, ouais, je me suis renseignée aussi. Je suis de retour dans la chambre, parce que là, clairement, il est 15h passées. Je m'allonger à la fraîche, vous ne vous rendez pas compte, mais là, il fait bon, ils ont mis la clim. Voilà ce qu'ils m'ont ramené. Une perche, mais pas n'importe quelle perche. Hein. C'est une perche à smartphone. Waouh, super. Donc c'est pour justement, quand on vlog, pas qu'il y ait trop de mouvements, quand tu marches vite et tout. Faut que je regarde bien, bien, bien. Déjà rien que le petit coffret, il est génial. Alors, regardez-moi ça, chatitude, c'est comment, c'est génial. Pour bon, en fait interpréter les messages de son chat. Oh non, massage rigolo. Mais moi j'adore. Mais c'est excellent.
le petit plateau, pareil, avec le mug, qui est exactement comme le plateau. Et ça, le petit panier. Et en me l'offrant, elle m'a dit c'est pour mettre la brosse de Jack, parce que oui, elle suit mes vlogs. C'est adorable. Et aussi, alors ça, quand je suis partie à Saint-Martin, on avait oublié de le prendre. C'est une marque, c'est la marque Love, qui est super connue à Saint-Martin. Hyper sympa, et c'est un débardeur. Je suis trop contente. C'est mon papa, quand il est parti au Japon faire 1200 km à pied, il m'a ramené, c'est un petit porte-bonheur. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est tellement mignon. Oh, je suis trop fan. Et là, il y a Eric qui vient de m'appeler. Il me dit, bonjour madame, vous avez commandé un massage? Parce que je lui ai dit que j'avais mal au dos. Il arrive. Donc, ça fait une grosse détente. Je pense que lui, il va se mettre en fond le Tour de France, le truc qui t'endort bien. Et tranquillou. Ah, c'est qui? Massage Chablais. Oui, c'est pour le massage, ok. C'est ici, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez demandé un massage caribéen? Exactement. Bon, je déblaye, hein, parce que je me suis étalée. Ouais. J'étais en train de montrer un petit peu. Et je laisse comme ça, hein, fermé. Oui. J'irai à 6 heures, moi. D'accord. Ah, d'accord, non, mais que j'adore tu saches. Tes chaussures, bébé. Ça te va trop bien. Merci. Remontre. Ouais, elles sont top. C'est l'Adidas. C'est Adidas. Non, puis même ta chemise, là. C'est rien, c'est du lin. T'es très beau. Il a accepté. Voilà. Petite sieste a fait du bien. Il est 6h. On doit aller acheter des gâteaux pour manger chez ses parents. Et nous, on s'occupe du dessert. Je me suis changée. J'ai mis ça. Je suis con, j'ai pas pris assez de fringues, moi. Je vais mettre la même chose, j'ai pas pris assez. Bon, j'ai mal calculé. Allez, c'est parti. On est devant la chocolaterie boulanger. Salut. On se retrouve le lendemain matin. C'est le matin où on repart. On vlog, j'ai pas vlogué hier soir, on est resté chez ses parents. Toute la soirée, c'était très sympa, jusqu'à 23h, un petit peu plus de 23h. Là, on va descendre au petit-déj, on va tous se retrouver. Et après, on part, je pense, sur les coups de 10h30, 11h. On passera peut-être à Décathlon avant. Et après, on rentre à la maison, on va retrouver notre Jackie. Je voulais pas rentrer trop tard pour pouvoir bosser, enfin, monter mon vlog. De façon à ce que demain, j'enchaîne parce que je vous annonce demain, c'est ma retouche, lèvres. Dans l'après-midi, donc ça risque de prendre pas mal de temps. Je sais pas dans quel état je serai, enfin, comment ça va se passer. Donc si je pouvais m'avancer un petit peu pour monter ce double, triple vlog finalement, ça m'arrangerait quand même pas mal. Voilà, donc ce matin c'est petit déj. Ça sent le départ. Regardez, il a pris l'ascenseur trop tôt. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les sables et surtout s'il y en a parmi vous qui sont des sables. Ça peut être intéressant. Tiens, c'est le marché ce matin. Hop. On fait une pause dans une aire d'autoroute. Tiens, il y a un McCafé. On va prendre de quoi se restaurer, mais on mangera sur la route. Allez. Je suis partie chercher de l'essence. Il m'a dit, tu prends. Je te fais confiance. Ah bah si, il est là-bas. J'ai pris plein de trucs. J'ai eu un frisbee offert. C'est pas magnifique ça? Ton petit coca, je te le mets ici. Chèvre, concombre, pesto. Bah, très bien. Bah, on n'est pas accueillis? C'est maman, papa. On a retrouvé notre Jackie. Le retour a été assez compliqué pour moi. J'ai été prise quasiment tout le voyage de douleur là et dans le dos. Mais c'est ma hernie, comme si elle s'était enflammée. Mais je pense que je paye des excès que j'ai dû faire pendant ces quelques jours. Pas de mystère, ça me le fait très souvent quand je reste trop longtemps, soit assise au resto, soit assise dans une voiture. Et là, bon, c'est pas bien grave, je vais me poser. Je vais m'avancer quand même sur le vlog. Et je vais surtout... Tu viens, bébé? Viens! Il me sent! Allez, allez! Eh ben, bonjour! Oh, mon bébé, il est content de retrouver sa maman! Eh oui! Je pense que vous l'aurez compris, je vais clôturer maintenant.
Ce vlog, même s'il est assez tôt, hein, il est 2h22, donc oui, effectivement, c'est tôt. Ça va me permettre de bosser peut-être 3 heures, comme ça, 3 bonnes heures. Et bah, on se retrouvera du coup demain dans un nouveau vlog. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vous fais un énorme bisou. J'espère que ces 3 petits jours en notre compagnie vous auront plu. Si c'est le cas, bah, mettez-moi ça en commentaire. Et puis, lâchez-moi des pouces bleus pour ceux qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, gros bisous. Salut.